Bah écoute, ça va couper. Hein. Ça a déjà coupé. Alors en fait, avec ces vieux téléphones, l'endroit où tu entends, tu le récupères à l'intérieur d'une cellule. Comme ça, selon l'année du téléphone. Ensuite, tu récupères un bouchon de lait, une bouteille de jus de fruits avec son bouchon, un potentiomètre, une prise de jack, la cellule à l'intérieur, bien sûr, genre comme ça, quoi. Tu prends ton jack, tu le mets dans ta cellule et tu le branches à un ampli parce que ça marche pas sur une sono. L'idéal au départ c'était une bouteille de Perrier, chut, pas de marque. Sinon, un ancien spot. Sinon, le jour où tu n'as plus besoin de l'aspirateur, bah tu fais la même chose. La cellule est au fond. Et si tu joues sur des lits Oscar, ça va pile dedans. L'idéal. Alors pas de potard, juste l'écouteur d'origine. Et au bout du fil, ben, tu te démerdes pour mettre tout le système dans ce que tu veux. Il y a aussi la prise de courant de chez Legrand avec le potard. Bon là, le fil est fixe. Waouh! Ouh! Sur un transfo. Tout le monde te pose des questions quand tu arrives avec ce son-là. Tu dis, waouh, mais qu'est-ce que... Donc tu as compris, le téléphone de mémé, tu le jettes pas. Et le col de la veste, tu attends de vieillir pour qu'il soit assorti à tes cheveux. Et surtout, en période de Covid, tu ne sors jamais sans ton masque. Ça sert strictement à rien. Ah, c'était pas tes vrais cheveux? Eh ben non. Ça va être tout noir!